Bonjour et bonsoir pour nous tous et nous souhaitons bienvenue déjà au Souti Vilakay. Jeudi, c'est mardi 14 septembre 2021. C'est pratiquement deuxième sortie nous pour ce maintenant. Et nous disons merci avec tout ce là qui a commencé semaine avec nous et qui a continué. Donc, restez connectés sur le canal ça. Et nous disons merci pour et support, merci pour fidélité ou confiance. Merci pour le choix que vous faites de nous et parce que nous sommes toujours là. Tranquille, n'a porté information pour vous et nous-mêmes, sans négligence, sans perdre du temps, n'a toujours qu'un bien informé. Assassinat président Jovenel Moïse, comme premier monde qui a lancé un rapport qui a été bâillé et que PM Ariel Henry a parlé avec un véritable cerveau dans l'assassinat, ça qui c'est Félix Badjo. Et nous voulons parler de Pierre Espérance. Et bien, Pierre Espérance, dans le moment où on a parlé à la, c'est nous salis. Et donc, confirmé dans micro la presse, ta assemblée Pierre Espérance gen gros pression de là parce que c'est lui-même qui était. Et donc, là, il y a information ça. Et PM Ariel ta fait Pierre Espérance gros menace là, mesdames et messieurs, que nous allons inviter autant de même dans bouche Pierre Espérance. Et puis, il y a un dossier ça, non, avec Don Kato qui est dans une photo qui a circulé et qui t'a montré que Don Kato, ensemble avec ça, non, dans une photo ça et dans le rapport DCPJ, il y a un nom. Eh bien, ancien sénateur qui cité comme un nègre qui participé dans diverses réunions qui t'a fait pour question assassinat ça. Donc nous allons inviter tout détail ça avec Guerrier Henri, mesdames, mademoiselles et messieurs. Pas oublier abonner avec le canal, partager vidéo, surtout quitter un commentaire, n'a pas tourné. Et nous mettons mon défi pour dire qu'on ne va pas parler. C'est nous pas nous bail information, nous prenne nous gain information nous bail li. Donc kounye là, nous pas dit qu'Ariel impliqué dans assassinat, mais on te parlé. Pierre Espérance qui persuadé premier ministre Ariel Henry, t'es parlé avec Joseph Félix Badjo avant et après crime nan. D'ailleurs, c'est un dossier qui trouvé en rapport direction centrale police judiciaire. Nous te prend tout rapport audition JDPDF, nous rencontrer des CPJ, nous rencontrer tout le monde qui dans prison dans cadre assassinat ça. Donc ça veut dire que information yo dans rapport la police judiciaire. Et jusqu'à présent, Joseph Félix Badjo était coordonnateur crime nan. Il était même rentré kay Jovenel Moïse quelques minutes après assassinat pour te aller document avec l'agent d'après yon l'autre révélation RNDDH. Après Jovenel, yo fin assassiné Jovenel pendant Martin Moïse dans kay la. Badjo entre dans kay la. Li a fouillé chambre Jovenel, li prend document, li prend l'agent et il clair que avec moun qui t'a parlé à Badjo yo, de qui ça parle, t'a parlé d'assassinat pour nous-mêmes. Défenseur droit moun nan dit pas comprendre, même moun sa yo qui t'a fait pression pour la justice tande Martin Moïse alors que yo refusé même justice ça. Ariel Henry. Nous avons des gens qui vexent parce que yo en bas avant le premier ministre, yo pensent qu'on mette des babouquettes dans la bouche, non? Parce que nous dit le premier ministre en rapport. Mais là, pour la police judiciaire, même gens qui ont dénoncé pour la justice de Martin Moïse, parce que Martin Moïse a mis des photos et mettre mon fils d'Oval dehors. Donc, yo mandé pour la justice de Martin Moïse, mais yo pas d'accord sur mon fils d'Oval, yo pas d'accord pour la justice de Ariel Henry. C'était pratiquement un gros campagne. Aïe qui te mène contre ancien premier dame dans le dossier d'Oval là, Pierre Espérance Square, même avec Tessa Yo, te ka continue à encourager PM nan, collaborer avec la justice. Donc, où est quantité campagne qui fait contre Martin Moïse, parce que Martin Moïse se mette prend photo à l'hypothé by Maril, alors que nous seulement dit non rapport, on information qui non rapport de CPJ, nous dit Ariel te parle avec nous, et Badjo, seulement ça. Critique en pile, surtout sur réseaux sociaux yo contre RNDDH qui révèle information ça. Défenseur doit moun nan semble ouais, qui côté critique ça yo ap sorti et décide répondre si la yo qui prend plaisir attaquer. Nous pas paix, nous pas jamais paix et nous pas quitter aucun monde. Journée aujourd'hui qui ailleurs là, yo te dit yo t'a combattre Jovenel, yo t'a combattre PHTK dans intérêt population et journée aujourd'hui il fait alliance avec PHTK, yo connait ramener babouquette dans bouchon, nous pas prendre babouquette. Plusieurs avocats parler de illégalité des marches commissaire gouvernement. Est-ce que le premier ministre t'a dû répondre à invitation paquet? M'pas connait ça le doit faire. Le commissaire gouvernement recevait un dossier dans le cabinet de décision qu'elle voyait dans le cabinet de décision. Je ne connais pas. Ariel chargé avocat, il chargé mon pour défendre. Donc, il mon a défendre. Mais nous avons toujours dit que c'est Ariel, quel que soit mon nom, pour que nous respections la forme. Si le commissaire a un dossier dans le cabinet de décision, le commissaire gouvernement va dire qu'il faut faire qu'il voyait dans le cabinet de décision. En tout cas, rapport RNDDH là, pas 10 premiers ministres impliqués dans l'assassinat. Il était seulement pour chef gouvernement prouver innocence.
En attendant, RNDDH a continué fait travail sans force côté. C'est Ariel qui vient pour l'expliquer ça. Bon, comme vous avez prévu des facteurs qui ont été en main, les gens qui ont défendu le principe, ils ont mis en face RNDDH, ils ont pensé qu'ils ont intimidé. Nous ne pouvons pas prendre l'intimidation. Et la bataille est jusqu'au bout. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas changé de position tant que nous avons changé de radio. Nous, pour côté population, nous avons continué la bataille. Jean-Philippe Masséan, Radio Mega. Jean, vous connaissez, il y a un massacre qui passe dans Delma 32. Alors, un événement qui passe dans le pays, qui sont massacres. Et dans la nuit 29 ou 30 juin 2019, là, 2021, côté que dans Delma 32, il y a environ 15 personnes qui mourent. Et après ça, nous sommes venus dans Acacia et Chrisoua. Ils ont assassiné Diego avec Diego Charles, Marie-Antoinette et Dicler. Nous sommes allés dans la zone immédiatement après le massacre et nous faisons un rapport et la population dans la zone a été identifiée qui groupe qui vient attaquer nous. Et nous pensé que la police judiciaire a ouvert une enquête côté que nous avons marché sous gang ça pour arrêter. Et tout le monde connaît qu'il y a une persécution qui fait contre les policiers qui organisent dans le syndicat. Et ils font un amalgame dans la police là, entre policiers qui sont dans SPNH là, avec policiers qui sont dans 509, ils mettent dans seul panier pour être capables de persécuter. Bon, nous-mêmes, c'est travail nous et à l'oué policier, côté Kembe là, et nous avons continué Kembe contact avec Famini. Pour et les miens capables de faire dans ce sens-là, même gens où on est un paquet de policiers, tant qu'à Besson, qui a mangé prison dans la pénitentiaire nationale, pour une seule raison, parce qu'ils sont membres de SPNH. Et au lieu que la police là, allé vers gang pour démanteler, c'est les policiers eux-mêmes qui ont protégé, qui ont servi, qui organisent dans le syndicat, et c'est eux-mêmes qui ont persécuté. Et son bagage qui est extrêmement grave. Don Kato, yo joué une relation Don Kato de développer avec moun ki touye président. Puisque nan moment, yo fin touye président. Gen yon nan nèg yo Vincent. Ki rele Don Kato. Son numéro de téléphone Don Kato. Deux fois. Bon, peut-être Don Kato tap dormi ou bien par contre kote l'tel te choisi pa répond. Ou remarquez photo Don Kato avec sa non. Et de vous dire, de vous rifer sous Don Kato, ou pas trop loin, boss là. De vous rifer, boss, on route Don Kato, ou pas trop loin, boss là. Et plusieurs monde connaissent que tu as toujours des rencontres entre Don Kato et équipe Kato et Sanon. Pasteur Christian Emmanuel Sanon. Christian Emmanuel Sanon, son monde connaît. D'ailleurs, c'était mon boss. Il était responsable Radio Vasco. Il était propriétaire même Radio Vasco. Il travaille dans Radio Vasco. Je connais ça, non? Pas trop longtemps. Et ça a gagné 2020. Je me suis dit, non, il est dans le téléphone. Il dit, ah, mon cher Henri, comment vas-tu? Faut nous, au contraire, il y a des projets là, faut venir chita parler avec moi pour nous discuter. Et puis, comme moi-même, nous venons chita parler à un coup, je me suis dit, ça, non, mais combien de consultations besoin? Et puis, ça, non, plein. Et puis, je ne peux pas rencontrer ça, non? Mais si ça, nous t'es disposé frais consultation que nous connaissons, 100 000 gouttes d'âme chita ça, non? Mais pas de gain, vous dites, ah mon cher, son bail n'a pas ensemble, dis non. Déplacement, vous dites, bon coup. Parce que déplacer, il faut mettre gaz dans la machine, il faut habiller, il faut faire tout le bagaille. Hein? Ça veut dire que ça, nous t'es relé pour une consultation pour nous chita parler. Il n'y a pas de gens qui disent ça. Mais il y a des journalistes tout, qui étaient dans l'activité sans nom. Il y a des gens qui ont perdu, c'est eux-mêmes. Mais il y a des journalistes qui étaient dans l'activité sans nom. Ça veut dire qu'il y a un bon monde qui était connu les bagages là. Vous gardez la parole. Et m'a demandé, mais est-ce que y a un bon monde tout autour de Jovenel qui était comprendre, qui était connu les bagages là? Mais comme vous avez c'est craint pour Jovenel, c'est eux pour 10 Jovenel mettre le bagage. Et que vous n'avez pas courage pour dire président ça ou bien vous avez une activité par vous. Mais, par contre, pour qui ça c'est Ariel, mais Ariel a joué aujourd'hui. Pour nous comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Depuis le Ariel Montea, pas oublier, Ariel a plus contact
dans l'opposition que pouvoir. Nèg yo di Ariel, faut nous font gens pour nous prendre tout pouvoir. Faut que nous mettez moun Jovenel yo dehors en dans pouvoir. Moun Jovenel yo c'est qui est? C'est Claude Joseph, ministre Affaires étrangères. C'est Rockefeller Vincent, ministre Justice. C'est peut-être ministre pas Greta. Greta pas gen gros poids, etc. Mais faut mettre le quand même, c'est moun Jovenel Moïse. C'était ministre Finance, Patrick Boisvert. Et Liberus, qui c'est secrétaire général du Conseil des ministres. Nego dit, faut mettre moun sa au dehors quand même. Parce que faut prendre tout pouvoir nous. Je dis à Jovenel Bala encore, faut prendre tout à fait nous et nous avons cherché. Vous gardez la parole. Et il est si vrai, ou information que je fais confiance. Les APC mettent mandat derrière Paul Denis. Ariel Henry, c'est une année qui était opposée pour ça, peut-être. Vous gardez la parole. Parce que c'est l'équipe. Kounia, monsieur, qui équipe Jovenel dans le gouvernement, il dit, ah, monsieur, c'est une bagonfle avec nous. C'est une bagonfle avec Ariel. La difficile pour nous être vivants. Et puis, monsieur, vous commencez à étudier des stratégies, à développer des stratégies. Qui ça vient de passer? Les, il y a tout plein. Parce que vous connaissez l'implication Ariel dans la question, mais vous dites, bonne temps toujours, nous amis sont réglés. Mais les vous gardez tout bon vrai, vous avez Ariel a pesé négocier pour le mettre dehors. D'ailleurs, gagner pression qui a baillé à tous les niveaux. Nego dit, monsieur, il faut commencer à mettre griffe dans dehors. Il faut mettre griffe dans dehors. Et comme vous connaissez l'implication Ariel, vous avez gagné avant 7 juillet. Dans ta plan, mon Jovenel Moïse, Negodjoun va commencer ta guette. Et c'est ça qui fait mal. Li fait mal le moins des moun nan PHTK, malgré yo confirmé. Malgré yo confirmé que il y a quelque part, un guisou wash dans sa qui a une relation Ariel avec sa passe pèlerin, mais yo,